Chers amis, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau volet de votre émission. C'est quand on n'a rien à dire qu'on ferme pas sa gueule. Une émission spéciale ce soir consacrée à la langue de bois, ou plus exactement à l'absence de langue de bois. Ce soir, nous avons invité un personnage qui semble être représentatif d'un grand nombre d'entre nous, d'entre vous, et il se prénomme Jackie. Et Jackie va nous faire un point sur l'actualité et les manipulations dont nous sommes tous victimes dans notre quotidien. Bonsoir Jackie, vous avez la parole. Bien, tout d'abord, bonsoir et merci de m'accueillir dans votre émission. Concernant le Covid, c'est une immense manipulation, ne serait-ce que le confinement qui n'a d'autre but que de séparer les Français. Pourquoi faire? Eh bien, pour mieux régner, diviser. Voilà, il n'y a qu'à voir le nombre de divorces à l'issue du premier confinement. Ben, c'est une grande entreprise visant à nous séparer. Hein, voilà. Je rappelle les propos du professeur, n'est-ce pas, que tout le monde connaît, l'autre con là, qui disait que dans l'eau, mais un suppositoire. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Cette manipulation est-elle réelle? Alors pourquoi? Là, c'est un sujet intéressant. L'eau nous manipule uniquement pour ses... dès le matin, moi j'en prends deux, et je vous assure que ça va beaucoup mieux. Permettez-moi quand même de rappeler les mots de notre président qui disait que, en substance, que le parquet poserait la piscine l'après-midi. C'est quand même, ça a un sens, hein, quand on dit des choses comme ça, des millions de Français, ça a un sens. Tout de même, des propos qui éclairent. Pensez-vous? Bien sûr, bien sûr. Et là, il y a une grande manipulation. Quand je lis que... je reprends le texte. Il s'agit des deux pieds, je me demande où est la vérité. Bien sûr, c'est une immense manipulation. Comment pourrait-on, avec les petits coups de machin, de truc, alors dans le bus? Je comprends mieux et je crois que nos téléspectateurs sont sensibles à votre discours. Et en matière politique? Évidemment qu'en politique internationale, nous sommes manipulés. Quand nous voyons tous les différents pays, d'abord tout ça pour les frontières, et le président de l'Iran, il dit que tout cela est dans le désert, ben moi je me demande pourquoi on fait-on croire aux Français que la paix d'emblée, je me pose la question, bien évidemment, parce que j'ai cette intelligence de me dire, mais alors, sur le fil. Un dernier mot peut-être? Oui, un dernier mot, je vous remercie, et je voudrais m'adresser aux Français pour leur dire de venir nous rejoindre sur notre site questionpourimmigration.org, hein, et où ils entendront une parole de vérité. Eh bien, je vous remercie, Jackie, pour ce discours concis, ce discours éclairé. Et, chers téléspectateurs, il est temps pour moi de prendre congé, de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat qui sera consacré à les pieds, et donc un débat à ne pas manquer, bien évidemment. Bonsoir.